Plus l'Olympique de Marseille, c'est les Jeux Olympiques de Marseille. On veut pas du Paris 2024 sur le stade Vélodrome. On veut pas. Si vous voulez, vous mettez France. Voilà, France 2024, il n'y a pas de problème. Voilà, on veut défendre l'identité du club. Et les Parisiens, ils comprennent pas. Parce que leur club, il n'a aucune identité. C'est pour ça, les gars. Moi, c'est normal. Paris 2024, tant que vous y êtes, ici, c'est Paris. Voilà. Bientôt, ils vont marquer au Vélodrome. Rêvons plus grand, wesh. Imaginez au Parc des Princes, tu vois apparaître en grand, c'est Marseille, bébé. Arrêtez, les gars. Wesh. Imaginez le Camp Nou à Barcelone, où c'est marqué en grand Madrid 2024. Ils refuseraient aussi, parce que derrière, il y a une histoire, il y a une rivalité. Et on sait qu'on va se prendre des moqueries, les gars. Voilà. Donc non, on refuse. On veut pas de Paris à Marseille, sur la vie de ma mère. Et arrêtez votre vice. Hein. Voilà, mettez France si vous voulez. Ce qui est lié à Paris, on n'en veut pas à Marseille. Même en dehors du sport, hein, les champignons de Paris. Il n'y en a pas à Marseille, on n'en veut pas. Oula! Les Paris-Brest, il n'y en a pas à Marseille. Cherche où tu veux, t'en trouveras pas. On ne veut pas de Paris-Brest. Paris-Hilton, la meuf, la bonne là, elle est interdite de séjour à Marseille. Elle s'appelle Paris, tant pis pour elle. Interdite de séjour. La BNP Paribas. Il n'y a pas à Marseille la BNP Paribas. Parce qu'il y a Paris dessus. Vous comprenez, les gars? Ça dépasse le football. Ça dépasse le sport, les frères. Sur la vie de ma mère. Tout ce qui touche à Paris reste à Paris. Venez pas nous faire chier à Marseille. On veut pas de vous. Ils ne comprennent pas, les gars. Paris qui s'accaparit le stade Vélodrome. Et ils pensent qu'on va rien dire. Et si vous vous en foutez de l'identité de votre club, c'est votre problème. Mais chez nous, à Marseille, le stade Vélodrome, c'est sacré. Ça fait partie du patrimoine de la ville. Et on ne met pas Paris dessus, c'est comme ça. C'est un principe, oui. Parce que nous, on a des principes. Mais vous ne savez pas ce que c'est, les principes. Allez-y au Parc des Princes, on va marquer en grand le savant de Marseille. Et on va voir ce qu'ils vont dire. Vous savez pourquoi ils réagissent comme ça, les gens, les gars, en dehors de Marseille? Parce qu'ils n'ont aucun respect pour leur club. Ils n'ont aucun respect pour leur histoire. Mais nous, on n'est pas comme vous. On est différents, c'est pas pour rien qu'on est le meilleur club de France, qu'on est le club le plus populaire de France. C'est parce qu'on a des valeurs, les gars. Oula! Ils nous envient, ils nous jalousent parce qu'on a des valeurs. Et s'il faut annuler les Jeux Olympiques à Marseille, on ira jusqu'à là. Oula! À Total, les gars, ils veulent mettre Paris sur le Vélodrome. Lucas Hernandez, cet agent double, espèce de traître. Toi, on va te faire une Valbuena sur la vie de ma mère. On va te réserver un bel accueil, espèce d'hypocrite. Oula, Lucas Hernandez. Oh, c'est le fils à Christophe Galtier. C'est pas possible, c'est les mêmes les deux. Oula, c'est ton beau-fils, j'en suis sûr. Ah ouais, quel traître. De toute façon, les gars, tous les joueurs qui sont passés par l'OM et sont allés au PSG, il y a eu la malédiction. Regardez Ben Arfa. Marseille, PSG, KO. Lassana Diarra, Marseille, PSG, KO. Peggy Luindula, Marseille, PSG, KO. Et même ceux qui n'ont pas joué à Marseille, mais qui sont Marseillais. Christophe Galtier, regardez. Galtier, Marseillais, à Paris, KO. C'est pareil pour toi. La malédiction va s'abattre sur toi, Lucas Hernandez. Toi aussi, tu vas y passer. Voilà, il n'y a jamais un Marseillais qui a réussi à Paris. Et ça, c'est pas pour rien, les gars. C'est une malédiction marseillaise qui va s'abattre sur Lucas. Les supporters du PSG, honte à vous. Vous avez zéro dignité. Vous nous avez cassé les pieds avec Matteo Guendouzi parce qu'il avait posté une photo de lui avec le maillot du PSG. Il avait 4 ans et demi. Juste une photo. On va pas vous lâcher. Là, Hernandez, on va ressortir les vidéos. Allez l'OM, le meilleur club du monde, mon club de cœur. Ouais, je pourrais jamais aller à Paris. J'aime trop l'OM. C'est dans le sang. Ouais, c'est le sang marseillais, pur marseillais. Vous êtes dans la merde. Voilà les supporters du PSG. On va vous le ressortir toute l'année, ça. Toute l'année, on va. C'est mes lunettes. C'est mes lunettes, Isaac. Ça va, tiens, ça va, ça va. Tiens tes lunettes, pardon. Pardon, mon fils.